quitte la Dominique. Pour ceux qui font déjà, qui ont déjà fait le canal entre la Dominique et la Martinique, on est à 9 nœuds SOG. On a presque fait du 10 nœuds. On a 23 nœuds de vent, 24, 26 nœuds de vent apparent. On a un riz. On a enroulé de 1 tiers phoque. On a de ces vagues de dingue. Ça file. Seapearl file comme un fou. On a adoré. On a adoré la Dominique. Et là, on la quitte sportif, en mode sportif. On devrait arriver dans 4h30 à Fort-de-France. Donc c'est très rapide. Arrivons en Martinique. Là-bas se trouve Saint-Pierre, la première île, la première ville du moins où nous arrivons. Mais on va aller directement à Fort-de-France comme prévu. Donc il reste 3 heures de nav. La mer s'est bien calmée depuis notre départ. Même nous avons la houle qui nous pousse de travers. Mais une bonne nave, on n'a rien pêché, j'ai nettoyé les cannes parce qu'il y avait des sargasses au bout des hameçons. Je les ai nettoyées,
remise à l'eau en espérant avoir une touche. Oh là là les gars, ils sont en train de couler là. Eux ils ont survécu, ils ont pas coulé. La barque elle est complètement en train de couler. Le moteur, salut les naufragés. Oh là là, le moteur il est sous l'eau, génial. Bon mais ça se passe à l'entrée du marin. Un peu. Maintenant remonte. Remonte. Je t'ai déjà dit Vincent de ne pas faire. Il y en a une, celle-là que t'as dit. Non, je sais pas. Je pense que c'est celle-ci. Relâche un peu. Stop, ça peut pas autant Vincent. Je fais qu'un seul. Vas-y, remonte. Voilà, regarde là, il y a celle-là. Là, pas ton doigt, c'est comme ça. Là, je vais remonter. Je vais remonter. C'est là ou pas? Je crois que c'est toutes les dents qui bloquent, elles sont juste mal placées. À ce niveau-là, elles sont mal placées. Alors attends. Mais attends, là ça s'est mis comme ça. Vas-y, remets. Lâche un peu. Et maintenant tu remontes. Remonte. Bon. Allez, on part du principe qu'on change. Bon allez, on va démonter la, le barbotin. C'est relativement facile, je l'ai déjà fait hier. Mais pour ceux qui veulent voir comment ça se passe. Donc on dévisse les vis là. Ouais. Il commence déjà un petit peu à pleuvoir. Donc il faut enlever ce cache en plastique, puis après enlever, j'avais mis hier un peu de graisse justement, parce que c'était un peu, il y avait du sel, ouais, c'est bien revenu. Donc là il faut dévisser les trois. Là il faut démonter les trois, ouais. Après démonter la, enlever la poupée et on accède au barbotin. Ça coûte une petite fortune, j'ai regardé ça sur internet, alors je n'ose même pas imaginer ici au marin à quelle sauce je vais être mangé. Donc là voilà, ça c'est une sorte de platine qui prend en sandwich à l'intérieur du barbotin.
Donc nous c'est un quick, hein, un quick 1000 watts. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Par contre, il va falloir qu'on enlève de la chaîne pour enlever de la tension sur le barbotin. Pardon Vincent. Comme ça, c'est sur la patte-doigt. La tension est sur le taquet patte-doigt. Donc ça, c'est fait. Non, ça c'est pas grave. Le fait qu'il n'y ait plus. Voilà. Voilà. Il y a cette vis. Elle est là. Là, on enlève la poupée. Et il n'y a plus qu'à. C'est relativement simple. Voilà. Il n'y a plus qu'à enlever ça. Hier j'avais mis de l'eau. Voilà. Donc après, il faut que je trouve un barbotin et ça va pas être aisé avec ce système au milieu. Bon mais c'est bon. Je peux filer à Fort de France. Je peux filer à Fort de France. Du moins pas à Fort de France, au marin, faire les trois chips qu'il y a pour en trouver un. Et demander conseil. Allez, je file. On vient de quitter la baie de Sainte-Anne. Il y a le rocher du diamant qui est juste là. On file co-moteur à 8 nœuds. Donc on est à 2100 tours. Et là ça se voit, on voit même plus la baie du Marin. Il y a vraiment une onde, du moins un gros grain qui s'abat là-bas. Et il commence à arriver, on le voit. Ça devient très humide. Tout est noir. Alors, je sais pas si ça se voit sur l'image, mais c'est un déluge qui s'abat sur Sainte-Anne. Bon, on devrait l'avoir d'ici 20 minutes. On devrait nous rattraper d'ici 20 minutes. Et bon, on va rejoindre des copains qui se trouvent à Fort-de-France, nous mettre à l'abri. Et concernant le barbotin, malheureusement, nous n'avons pas trouvé. Je n'ai pas trouvé au marin à le remplacer. Donc heureusement on a la poupée et on remonte à l'aide d'un winch, d'une manivelle de winch. Et bon, il y en a qui, c'est un catamaran lagoon. Je sais pas, il va se mettre lui à l'abri à Sainte-Anne. Je comprends pas. Là, il y en a un autre, un voilier qui descend au lieu de remonter. Je comprends pas la logique, parce que il va y avoir un retour de manivelle dans le canal de Sainte-Lucie. J'ai vu depuis 5h30 du matin, j'ai déjà vu 5 voiliers qui remontent au nord et on en fait partie. Il y en a un autre là également qui nous suit, qui nous talonne. Et on devrait arriver dans 2 heures à Fort-de-France, dans la baie de Fort-de-France. Bon, on est à 1 heure de Fort-de-France. Je vous laisse imaginer, il y a déjà 30-35 nœuds de vent en rafale. La mer est aplatie par la pluie. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Et quand je pense qu'il est attendu le double, là il y a vraiment un voilier en difficulté. Il a mis toutes ses voiles. Je vous laisse apprécier. Donc, dans le chaudron où on est là. Ah ouais, la pluie, elle claque. Ouais, le gars il a mis toutes ses voiles, franchement c'est pas ce qu'il aurait fallu faire là, c'est rendre
prendre deux riz et réduire de deux tiers son génois là. Et là on a toujours le voilier derrière, le Qatar, mais on a un peu plus de mal à le voir maintenant. Bon, j'ai augmenté la vitesse des moteurs. Mais c'est fou. Ah, il est vraiment à difficulté là, le voilier. Vraiment à difficulté, je sais pas où il va. Bon, mais on fait cap au 330. Et il y a 25 nœuds. Ça s'est un petit peu calmé, mais j'espère qu'on n'aura pas ces conditions quand on va piocher à Fort-de-France, parce que ça sera difficile dans ces conditions-là. Voilà, nous venons d'arriver à Anse Mitant. Je vous laisse apprécier, il y a des bateaux, bon, bateaux abandonnés. On va enlever 5 mètres, on a mis 65 mètres de chaîne. On a 3,50 m de fond, donc là c'est super, il n'y a personne devant. Donc le vent devrait venir lundi, devrait arriver de là. Donc on a tout ça pour couvrir, on a tout cet endroit pour couvrir, sachant que le vent viendra théoriquement de là. On est protégé de la houle, essentiellement d'ici. Et donc j'ai mis la bouée Lorrain, qui se trouve là-bas, donc à 65 mètres. Voilà, il y a quand même du monde, hein, comme vous pouvez constater, il y a quand même pas mal de bateaux. Donc j'espère que, bon là on a mis plein gaz à fond, la Rotna est enfoncée, elle est super bien enfoncée, pas de soucis à ce niveau-là, je suis allé vérifier. Donc maintenant on ne devrait plus bouger, théoriquement on ne devrait plus bouger, c'est du sable donc ça devrait le faire. On va juste relever de 5 mètres parce qu'on est un petit peu trop près de ce petit voilier là en état d'abandon. Là il y a un Français qui est dans son bateau, dans son petit bateau, donc ça devrait réagir s'il devait y avoir un problème. Là-bas également en état d'abandon, mais bon, on est optimiste, ça devrait le faire. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er juillet et l'ouragan Beryl est passé. Je vais vous montrer, nous avons même, il y a un catamaran qui rentre dans la baie, nous avons pratiquement rien eu. Au maximum 40 nœuds de vent en rafale qui a duré une demi-heure cette nuit, mais sinon ça a été toute la journée grosso modo cela, avec de fortes pluies. Par contre ce qui est impressionnant c'est la levée de la mer. Alors là c'est carrément ce qu'on voit là, il n'y a plus de plage. Hier il y avait bien 20 mètres de plage, il n'y en a plus. Le temps s'éclaircit, voilà, il n'y a plus trop de pluie. Je pense que ça a été les dernières grosses pluies, on les a eues il y a une heure. Alors il faut savoir que on est lundi, mercredi, il devrait y avoir un autre phénomène, mais c'est une onde tropicale, on pourra plutôt dire ça, une onde tropicale que même serait-ce un ouragan de catégorie 1. Voilà. Donc j'avais même sanglé notre Bimini, de peur qu'il s'arrache. Voilà, bon ben l'épisode Beryl pour nous se termine bien, même très bien. Nous avons fait le choix d'être à Anse Mitant, malgré qu'il y en ait plusieurs qui nous l'ont déconseillé vivement. Notre choix a été salutaire. Nous avons d'autres amis qui ont été dans la baie plus au fond, au niveau de Fort-de-France. Mais même au marin, ça a été. J'étais en contact avec certains copains, bateaux, soit qui étaient sur bouée, sur ancre, et même à la marina. Ça s'est très très bien passé. Vous voyez, c'était vraiment flagrant. Quand l'œil
était au large des Barbades, on voyait tous les gros nuages noirs qui se dirigeaient justement, qui étaient appelés par l'œil pour renforcer l'œil. C'était impressionnant. Ils allaient tous dans la même direction où l'ouragan se chargeait pour attaquer la Barbade, Saint-Vincent et Grenadines, Carriacou, etc. C'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, à 4h du matin, on s'est réveillé parce qu'il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs, mais relativement au large. Donc, c'était bien. C'était bien pour nous parce que c'était au niveau sécure, c'était pas évident. Vraiment, vraiment pas évident. Mais on s'en sort bien. Dieu merci.